Potentiel dispressante. Tim Olala par Nana des Neiges. Tim Olala est comme toi. Quand il réussit, il est heureux. Tim Olala sourit. Tim Olala est comme nous tous. Quand il rate, il est malheureux. Il est même vexé. Tim Olala est comme n'importe quel autre petit garçon. Quand on se moque de lui, il est triste. Il pleure beaucoup. Tim Olala sait aussi se fâcher. Quand il se fâche, plus personne ne rigole. Mais cela n'arrive pas souvent. Tim Olala est comme toi et moi. Mais il est maladroit. Il fait tomber son verre de sirop tout collant. Maman d'amour dit, « Mais Tim Olala encore ! Quand est-ce que tu vas apprendre ? Quand est-ce que tu deviendras plus prudent ?» Tim Olala écrit comme un cochon. La maîtresse qui sait tout lui dit, « Tim Olala, c'est horrible ! As-tu vu ton écriture ?» Tim Olala l'a vu. Tim Olala court à toutes jambes. Il tombe, son pantalon se déchire. Papa d'amour lui dit, « Mais Tim Olala, encore tombé, il va falloir te clouer au sol. » Tim Olala ne sait pas faire ses lacets. Les enfants pas très gentils lui disent, « Tim Olala, t'es un vrai bébé !» Quel sac de nœuds va ! Et ils ne veulent plus jouer avec lui. Mais Tim Olala n'est pas un bébé, il sait beaucoup de choses. Il sait que 5 fois 5 égale 25. Il connaît la capitale de la Finlande. Il sait dire bonjour en anglais. Il connaît 12 marques de voitures. Il sait dire salut à l'envers. Et il sait d'où vient le lait. Et encore plein d'autres choses. Mais certaines tâches sont plus compliquées pour Tim Olala. Dans son cerveau, il y a un tout petit problème. Il s'appelle dyspraxie. Ce n'est pas de la faute de Tim Olala. La dyspraxie est comme un fantôme. Personne ne peut la voir. Essaie d'écrire avec ça. Essaie de jouer comme ça. Essaie de marcher. Allez, reste concentré. Tim Olala en a marre. Il ne veut plus que tout le monde l'appelle Tim Olala. Son nom est Tim. Je m'appelle Tim. Tim veut que maman d'amour lui dise « Ce n'est pas grave, Tim, et tu peux y arriver, Tim. La prochaine fois, tu réussiras. » Tim veut que papa d'amour le félicite. « Tim, je suis fier de toi et bravo, tu as presque réussi. » Le fils de papa d'amour est magnifique. Tim préfère que la maîtresse qui sait tout le complimente. Tu as fait de grands progrès et posé fort, Tim. Mais encore plus que tout, Tim voudrait entendre les autres enfants lui dire « Tim, tu viens jouer avec nous ? Ne t'inquiète pas. Si tu n'y arrives pas, on t'aidera. » « Bravo, Tim ! Je vais t'aider. Tu vas y arriver. Viens, Tim ! Merci !»